aujourd'hui, c'est le 11e jour sur 30 du mois avec les âmes du purgatoire de l'abbé Berlioz. Donc on va parler de la sainteté des âmes du purgatoire. Tout d'abord, elles aiment Dieu. Toute âme, disait sainte Catherine de Gênes, dès qu'elle est en purgatoire, se trouve élevée à un état de perfection et d'union divine qui pourrait servir de modèle aux plus grands saints d'ici-bas. Donc il y a en effet une multitude d'âmes prédestinées qui ont triomphé de leur passion, qui ont vaincu le monde et le démon, qui ont pratiqué les vertus les plus héroïques et sont sorties de ce lieu d'exil chargé de mérite. Elles brilleraient comme des étoiles au firmament si la robe de leurs innocences n'avait été ternie par quelques grains de la poussière de la terre. Oui, ce sont des âmes belles, saintes, mortes à toute imperfection. La moins précieuse vaut mieux que tout l'univers physique. Elles aiment leur Dieu souverainement, totalement. Cet amour leur fait aimer leur souffrance et la justice qui les retire dans le lieu de l'expiation. Leur ouvrirait-on les portes du ciel qu'elles préféraient rester dans les flammes purificatrices plutôt que de rentrer dans la gloire avec de légères imperfections. Elles ne peuvent assez remercier leurs bien-aimés de leur avoir préparé un lieu d'expiation pour leur permettre d'acquérir cet éclat de beauté qui convient à ses épouses. Et mieux que Job, au milieu de leur douleur, elles redisent sans cesse « Que le saint nom de Dieu soit béni ». Soyez donc compatissants pour ces saintes âmes, puisqu'elles ont plus que jamais besoin de notre assistance. Un jour, les rôles changeront, elles deviendront nos protections dans le ciel, nos médiatrices auprès de Dieu. Et alors, elles nous rendront avec bonheur ce que nous aurons fait pour elles au jour de leur affliction. Dans cette deuxième partie du 11e jour, nous allons voir à quel point les âmes sont aimées de Dieu. Si Dieu, dit un auteur, nous aime, nous, pauvres pécheurs, si imparfaits, si dépourvus de vertu et de mérite, combien plus il aime ces saintes âmes du purgatoire, elles qui sont à lui pour toujours et en qui il voit resplendir la beauté de ses élus. Elles lui sont infiniment plus chères. Ce sont ses épouses, ses enfants chéris, les héritières de sa gloire, appelées à le bénir éternellement dans le ciel. Toutes sont des pierres vivantes destinées à l'édifice de la divine Jérusalem, et que le ciseau du divin sculpteur achève de tailler et de polir avant de les faire entrer dans la place qu'il leur a destinée de toute éternité. Il les aime tendrement, il les contemple avec amour, il désire vivement s'unir à elles. Son cœur paternel souffre de leur triste exil, mais sa justice, qui a ses droits aussi bien que sa bonté, les retient dans la prison jusqu'à ce qu'elles aient payé toutes leurs dettes. Aussi, quelle joie pour ce Père bon et tendre si un ami, un médiateur, s'interposant entre le châtiment et la faute, vient désarmer sa rigueur et la réconcilier avec l'enfant de son amour. Que de raisons d'aimer ces âmes bénies et d'exercer largement la miséricorde envers elles. Elles sont si dignes de notre affection. Quand nous faisons l'aumône à un pauvre, nous ne savons pas s'il le mérite, s'il n'en sera pas plus coupable, plus ingrat. Mais ici, nous travaillons à coup sûr. La terre où nous semons est invariablement fidèle. Pour chaque grain qu'on y jette, le ciel récolte un fruit et nous une bénédiction. Voilà, donc suite à cette partie, ça montre à quel point c'est important de prier
pour les âmes du purgatoire, à quel point ça fait plaisir à Jésus, leur Père bon et tendre, si n'importe qui d'entre nous, un ami, un médiateur, s'interpose entre le châtiment et la faute de ces âmes. C'est-à-dire que par une prière, par un soulagement, par une messe, par un jeûne, par n'importe quelle action, eh bien, le Seigneur attendrit sa justice en faveur de l'âme du purgatoire pour qui on a prié. La troisième partie de ce 11e jour sur la sainteté des âmes du purgatoire est un exemple. Exemple. Sainte Gertrude, dans un ravissement, vit l'âme d'une religieuse qui avait passé sa vie dans l'exercice des plus grandes vertus. Elle se tenait en présence de notre Seigneur, revêtue des insignes de la charité, mais n'osant porter ses regards sur la face adorable du Sauveur. Elle demeurait les yeux baissés, dans l'attitude d'un criminel, témoignant par ses gestes l'envie de s'éloigner du divin maître. Gertrude, étonnée d'une conduite aussi étrange, voulut en connaître la raison. « Dieu de bonté, dit-elle, pourquoi ne recevez-vous pas cette âme auprès de vous ?» À ces mots, notre Seigneur étendit les bras avec amour, comme pour attirer cette âme vers lui. Mais celle-ci s'en alla dans une respectueuse humilité. La sainte, de plus en plus surprise, demanda à l'âme de la religieuse pourquoi elle fuyait ainsi les embrassements d'un aussi tendre époux. « Parce que je ne suis pas encore purifiée des souillures que mes fautes m'ont laissées, et si Dieu m'accordait dans l'état où je suis la libre entrée du ciel, je n'y consentirai pas, quelque brillante que je paraisse à ses yeux. Je sais que je ne suis point encore une épouse digne de mon Sauveur. » Ainsi, ces saintes âmes endurent leurs souffrances de très bon cœur, dans une résignation parfaite. Elles sont tellement transformées en Dieu qu'elles ne voudraient pas, quand elles le pourraient, se soustraire à la moindre partie de leurs tourments. Elle les accepte avec joie, qui grandit toujours à mesure qu'elle se rapproche du terme de leur expiation. Qu'elles sont dignes de notre amour, de nos sympathies, de toute notre charité. Alors maintenant, je vous invite à faire une petite prière. Ô Dieu, qui pardonnez aux pécheurs et qui voulait le salut de tous les hommes, jetez un regard de bonté sur les âmes du purgatoire. Elles sont vos épouses, vos enfants de prédilection. Elles vous ont aimé tendrement et servi courageusement. Montrez-leur votre divine face, ô Jésus. Soyez leur propice. Seigneur, appelez vos enfants et nos sœurs au séjour éternel, et que la lumière qui ne s'éteint pas luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.